Et salut à tous, c'est Akhtar. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle série de vidéos. Il va s'agir de recommencer de zéro et de terminer la campagne Nightmare en 3 jours. Bien entendu, l'objectif est de réaliser ce run en free-to-play ou du moins quasi-free-to-play. En effet, au cours de ce run, je vais prendre un pack d'une valeur de 3 € et 9 centimes uniquement. Je précise aussi que je vais utiliser certains légendaires que je vais obtenir via les invocations, mais je ne vais pas prioriser ceci afin de montrer au mieux que ce run est faisable avec 3 épiques très recommandées, certes, et 2 légendaires aléatoires. Allez, je vous laisse sur la vidéo pour l'instant. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner si vous aimez la vidéo. Si vous commencez votre partie sur un serveur déjà lancé depuis quelque temps, pensez à aller récupérer les récompenses du milestone, ça pourra bien vous aider. Dès que vous le pouvez, n'hésitez pas à monter le level de vos personnages. Les potions utilisées ne seront pas gaspillées, vous récupérerez l'expérience investie lorsque vous utiliserez plus tard vos personnages en tant que food pour monter le level de vos futurs héros. Améliorez également l'équipement que vous obtenez, ainsi vous terminerez les niveaux plus facilement et plus vite.
Très important et à faire le plus tôt possible si vous souhaitez rusher le début du jeu, allez souscrire au privilège, c'est gratuit les 3 premiers jours et ne vous engage pas à payer à l'issue de l'essai gratuit. Grâce à ça, vous obtiendrez une clé de tour des marques supplémentaire et ainsi, les quêtes de campagne ne bloqueront pas votre progression, sinon il vous faudra atteindre 4 heures pour avoir la 6ème clé. Pensez également à aller ajouter un maximum de monde à votre liste d'amis aussitôt que vous le pourrez. Les premières quêtes de campagne nécessitent d'envoyer des récompenses à des amis et en plus, vous aurez quotidiennement un peu d'énergie et quelques invocations pour de la food. Dès que vous débloquez l'arène, faites vos 10 combats. Les quêtes d'aventure vont vous demander de participer à une arène classique sans forcément gagner. Si le serveur est trop avancé par rapport à votre date de démarrage, gagnez les combats que vous pouvez. Sinon, faites exprès de perdre, ça avancera quand même vos quêtes de campagne et vous pourrez continuer à avancer le scénario. Bien sûr, si le serveur vient d'ouvrir, foncez sur l'arène. Faites un maximum de combats, quitte à refiler un peu, ça coûte 50 diamants pour 10 tickets d'arène. Le classement de fin de semaine est primordial sur ce jeu pour une bonne progression. De plus, vous obtiendrez des livres pour améliorer les talents et donc les statistiques de vos personnages.
Après le stage 5-10, vous pourrez rejoindre ou créer une guilde. Faites-le! Beaucoup de guildes n'ont pas de prérequis, ainsi vous pouvez les rejoindre instantanément. Cela va vous donner quelques récompenses quotidiennes en affrontant le boss de guilde. Rien ne vous empêche par la suite de quitter votre première guilde pour une autre si vous souhaitez rejoindre des amis ou en rejoindre une plus avancée. A partir d'ici, vous devriez avoir assez de pierres violettes pour obtenir votre premier héros légendaire. En effet, le premier légendaire est garanti à 50 invocations, le second sera garanti à 100, puis tous les autres par la suite seront garantis à 150. Vous avez obtenu beaucoup de héros qui vont vous servir de food. Il est inutile de garder en stock tous les héros épiques, conservez uniquement ceux qui vont constituer votre équipe principale, utilisez tous les autres comme food si vous voulez progresser rapidement. Plus qu'à constituer votre première équipe. Je recommande d'utiliser un héros qui soigne, un autre qui pose des boucliers et deux DPS à minima. A vous d'adapter ensuite le cinquième personnage utilisé en fonction de votre équipe. Ce peut être un autre soigneur, un autre DPS, voire pourquoi pas un héros qui contrôle les ennemis. En attendant, moi je vais jouer avec seulement 3 personnages le temps d'en obtenir de meilleurs. Après tout, le début de la campagne n'est pas très difficile.
Avant d'améliorer tous vos héros, choisissez votre meilleur DPS et montez sa première étoile violette. Maintenant que vous possédez un premier héros Awaken 1, vous avez accès au donjon d'artefacts de classe. Chaque artefact est très important pour améliorer les statistiques de vos personnages. Vous débloquerez l'artefact suivant à la 3ème étoile violette et le dernier à la 5ème. En attendant, j'aime bien améliorer tous mes héros Awaken 1 afin d'augmenter leur survivabilité.
Lorsque vous obtenez un doublon d'un personnage que vous utilisez, montez le 5 étoiles si c'est un épique et améliorez l'exclusif de votre héros avec ce doublon. Ainsi, vous améliorerez ses compétences et ses statistiques.
Thank you.
We'll be right back.
Afin de réussir un rush de campagne, il faut essayer de finir au plus vite le niveau hard 4-10. Une fois ce niveau passé, la tour des marques est débloquée. Montez en priorité une seule tour, choisissez celle qui correspond le mieux à vos héros. Il est préférable de choisir la marque de votre plus gros DPS et d'avoir un soigneur de la même marque. Le niveau 13 est le plus haut niveau obligatoire pour avancer les quêtes de campagne.
Après le stage 6-10 hard, vous débloquez le donjon d'emblème. Farmez-les dès que vous montez le wake de vos héros. Ainsi, ils seront légèrement meilleurs qu'avant. Thank you.
Bon, c'est ici que les choses commencent à se corser. Voilà pourquoi j'ai choisi de jouer Liz et Wim. Liz va permettre de soigner et mettre un bouclier, mais surtout, le plus important, c'est qu'elle va enlever les poisons des membres de l'équipe, et ça, c'est indispensable à partir de maintenant. Wim, quant à lui, est excellent pour augmenter la survivabilité de l'équipe en apportant son bouclier, sa consolidation, mais également le bouclier bonus lorsque la vie des alliés descend sous un certain seuil, les sauvant ainsi très souvent de la mort. Sans ces personnages, Maya peut être intéressante, elle soigne beaucoup et met une résistance au debuff.